Dis tout le monde, bienvenue à cette mise à jour concernant le système de soins de santé de Nouveau-Brunswick. Good afternoon, everybody, and welcome. Bienvenue à tous et je vous souhaite la bienvenue à cette mise à jour sur les soins de santé au Nouveau-Brunswick au nom de la province aujourd'hui, l'honorable Premier ministre Blaine Higgs. Blaine Higgs, Premier ministre de Nouveau-Brunswick. Monsieur Premier ministre, Mr. Premier. Bonjour. Good afternoon. Comme vous tous, j'étais concernée lorsque j'ai entendu parler de ce patient qui est décédé à l'hôpital dans la salle d'attente. C'est tout simplement inacceptable et c'est le dernier exemple de la crise à laquelle nous sommes confrontés dans notre système de santé dans cette province. J'aimerais transmettre mes plus sincères sympathies à la famille et aux amis de ce patients, ainsi que tous ceux qui étaient dans la salle d'urgence ce soir-là, soit qui travaillaient là ou qui attendaient comme des soins comme patients. Il s'agit d'un événement traumatisant et on ne s'attend pas à ce que ça se produise dans notre province. Traumatisant. On ne s'attend pas de voir quelque chose comme ça se produire dans notre province. We've asked Horizon. On a demandé au réseau de santé Horizon pour mener une enquête sur ce décès et si nous ne sommes pas satisfaits de ces résultats, on va réclamer un examen externe. Je n'ai aucun doute que tous les Néo-Brunswickois et tous les travailleurs des soins de santé sont attristés et préoccupés par cette nouvelle. Nous voulons tous savoir que lorsqu'on va aller à l'hôpital, nous allons recevoir l'aide nécessaire. Nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces défis en matière de soins de santé partout au pays. Tu leur fais face à ces défis en matière de soins de santé. While attending the council, alors que j'ai participé aux rencontres du Conseil de la Fédération plus tôt cette semaine avec les autres premiers ministres, nous avons rencontré des infirmières de partout au pays. Ils sont arrivés avec de grands panneaux qui disaient « Soins de santé en crise ». Et en tant que pays et en tant que province, nous sommes bel et bien en état de crise. J'ai entendu des histoires semblables de la part de mes collègues partout au pays. Semblable de la part de mes collègues partout en pays. As Premier, comme Premier ministre, je suis ici pour vous dire que je suis prêt à faire tout ce qui s'impose pour protéger et améliorer les soins de santé dans notre province. Nous en sommes maintenant à un point tournant critique. En tant que gouvernement, nous devons consulter nos travailleurs de première ligne, c'est-à-dire nos médecins et notre personnel infirmier pour qu'ils puissent trouver une solution. Je vous entends, j'entends la frustration de nos travailleurs de première ligne. Nos travailleurs de première ligne. The nurses who end up working. Le personnel infirmier qui travaille des quarts de travail de 24 heures car il n'y a personne pour les remplacer. C'est inacceptable. Le personnel qui ne peut pas prendre de vacances ou des congés, c'est inacceptable. Ceux qui ne peuvent pas prendre des journées de congés de maladie parce que s'ils le font, il n'y a personne pour les remplacer. C'est inacceptable. Des travailleurs qui n'ont pas la souplesse nécessaire dans leur horaire pour qu'ils puissent coordonner avec leurs autres collègues des jours de congés pour des événements majeurs ou du temps pour la famille. Des patients qui sont traités dans une salle de conférence réaménagée car il n'y a pas assez d'espace dans la salle d'urgence. C'est inacceptable. Et des délais d'attente jusqu'à 12 heures ou plus longs pour être consultés dans une salle d'urgence. C'est inacceptable. Je sais qu'il y a des situations semblables dans l'ensemble du pays. Tous les premiers ministres, toutes les provinces et tous les systèmes de soins de santé sont sous pression. Situations semblables dans l'ensemble du pays. Tous les premiers ministres, toutes les provinces et tous les systèmes de soins de santé sont sous pression. Ce n'est pas à moi de m'occuper des régies régionales de la santé, mais je dois m'assurer que les bonnes personnes sont en mesure de le faire. Et ça commence au sommet. À compter d'aujourd'hui, Bruce Fitch va devenir le ministre de la Santé, Dorothy Shepherd, deviendra la ministre du Développement social. Alors, je suis reconnaissant envers tout le travail acharné effectué par la ministre Shepherd. Son emploi n'a pas été facile, surtout pendant la pandémie, et j'aimerais lui remercier à l'égard de son dévouement
à l'égard des gens de cette province et son dévouement va se poursuivre dans le portefeuille du développement social. Elle s'est montrée engagée à relever les défis, à aider à apporter des changements comme améliorer l'accès aux soins de santé mentale et travailler à réduire les temps d'attente. J'ai à faire face aux défis. Elle aide à aider à porter des changements comme améliorer l'accès aux soins de santé mentale en travaillant à réduire les temps d'attente. Et aussi, à compter d'aujourd'hui, le Dr. John Jordan a été remplacé en tant que PDG du réseau de santé, Horizon. Margaret Melançon, qui est le vice-président des services cliniques d'Horizon, deviendra la PDG intérimaire. Et de plus, les conseils d'administration de réseau de santé Horizon et Vitalité ont été révoqués et des fiduciaires vont combler ces postes. Suzanne Justin a été nommée fiduciaire de Horizon et Gérald Richard a été nommé fiduciaire de Vitalité. Nous sommes chanceux d'avoir deux personnes exceptionnelles et hautement qualifiées qui ont pris leur retraite et ils vont nous orienter en ces moments difficiles. Deux personnes exceptionnelles et hautement qualifiées qui sortent de leur retraite pour nous guider et ces moments difficiles. Nous avons un plan et ce plan doit être mis en œuvre. La situation d'aujourd'hui découle de très nombreuses années de gouvernements successifs qui ont refusé de s'occuper d'une situation urgente. L'échéance d'aujourd'hui découle de très nombreuses années de gouvernements successifs qui ont refusé de s'occuper d'une situation urgente. It is imperative. Il est essentiel de passer à l'action maintenant. Depuis avoir formé le gouvernement, nous avons augmenté le budget des soins de santé à une moyenne de 4,2% tous les 4 ans. Alors, cette année, le budget de 3,2 milliards de dollars représente une augmentation de 168,5 millions de dollars. C'est la plus grande augmentation depuis 2008-2009. Toutefois, une augmentation au niveau des dépenses n'est pas la seule solution. Nous avons aussi l'occasion d'innover et nous devons saisir cette occasion. Pour y arriver, les régies régionales de la santé doivent travailler ensemble. Si quelque chose fonctionne au sein d'une régie, cela devrait être communiqué à l'autre. En soins d'une régie, cela devrait être communiqué à l'autre. Par exemple, Vitalité obtient d'excellents résultats dans quelques secteurs malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Ils ont embauché 275 étudiants afin d'appuyer leur équipe cet été. Ils ont préparé leur première cohorte pour ce qui est de la formation des services de soutien au personnel infirmier avec CCNP cet automne. Et ils ont aussi pu embaucher 50 personnes qui venaient de l'étranger. Alors, ce sont là quelques exemples des progrès positifs accomplis. Progrès accompli. Both networks have. Les deux réseaux ont quand même réussi à réduire les délais d'attente pour les chirurgies de hanches et de genoux et ils ont aussi pu gérer la pandémie. En travaillant ensemble, ils vont continuer à trouver des manières de mieux servir les Néo-Brunswickois et aussi de s'assurer que nous avons le meilleur système de soins de santé. Alors, j'ai vu les billets sur les médias sociaux et j'entends le personnel infirmier, les médecins et les gens qui attendent pour des soins et qui sont en train de souffrir. Nous pouvons compter sur des professionnels de la santé dévoués qui veulent aider leurs patients. Nous pouvons compter sur des professionnels de la santé dévoués qui veulent aider leurs patients. Je sais que vous pensez que ces préoccupations qui ont été soulevés ne sont pas bien écoutés, mais je veux vous assurer que je vous écoute et nous allons tous vous écouter et on va tous réagir. S'il y a de la bureaucratie qui empêche certaines choses, eh bien, on va retirer ces obstacles. Notre gouvernement a démontré sa capacité à prendre des décisions difficiles lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons pour assurer de bons soins de santé. Je m'engage à m'assurer que les Néo-Brunswickois ont un système de soins de santé sur lequel ils peuvent compter. Merci. Merci. Et on va maintenant procéder aux questions des médias. Tous les journalistes pourront poser une question et vous avez le choix de poser la question dans la langue officielle de votre choix. Question des journalistes.
Vous avez le droit de poser votre question dans la langue officielle de votre choix. Chaque journaliste aura une question. Yannick Godin, Radio-Canada, Acadie. Merci beaucoup. Je vais commencer par poser la question concernant l'ex-ministre de la Santé, Dorothy Shepherd. On entendait beaucoup parler des problèmes dans nos régies de santé, Horizon et Vitalité, depuis plusieurs mois. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, avoir attendu à aujourd'hui, avant de la remercier? Vous savez, il n'y a jamais de bon moment pour apporter ces changements. Et vous savez, il faut bien comprendre quels changements sont à venir. Et on a quand même connu une bonne réussite en travaillant ensemble avec la COVID-19 et les deux réseaux de soins de santé travaillaient ensemble. Et vous savez, la ministre de la Santé a joué un rôle clé tout au long de la pandémie et au niveau de la santé mentale et les chirurgies de genoux et de hanches, on a réalisé des progrès. Nous avons un plan sur la santé mentale qui a été établi il y a un an et ce plan doit être mis en œuvre. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de déclarer que dans l'intérêt de la sécurité publique et des soins de santé publique, il faut apporter des changements à notre système de soins de santé. Il faut s'assurer que notre structure de gestion va réagir à ces situations. Il faut s'assurer que les gestionnaires écoutent le personnel infirmier et les médecins. Et les médecins et le personnel infirmier doivent être prêts à innover alors qu'on veut avoir un meilleur modèle de prestation de services. Car nous ne sommes pas les seuls à relever ces défis devant nous. Alors, le fait de réagir aujourd'hui, ça a surtout été incité, mais par ce qu'il y a vu récemment, mais c'est ce que j'ai remarqué partout la province lorsque j'ai rencontré mes collègues. Il ne faut pas perdre de temps, il faut trouver des manières d'innover, il faut trouver des manières d'améliorer nos résultats en matière de soins de santé. Les citoyens en dépendent. Nous sommes en train de livrer concurrence à toutes les autres provinces. On a travaillé avec les premiers ministres de l'Atlantique pour trouver des synergies. Nous allons continuer à le faire, mais en ce moment, il faut vraiment apporter des changements structurels à la façon dont on gère et on met en œuvre notre plan sur des soins de santé qui doit aller de l'avant. Alors, je me suis rendu compte qu'il faut adopter une autre orientation et il faut éliminer la bureaucratie pour concrétiser tout cela. On va maintenant passer à Andrew Waugh avec Brunswick News. Merci, Bruce. Alors, vous venez tout juste d'apporter ces changements, mais il n'y a pas encore beaucoup de travailleurs de soins de santé. Alors, si vous apportez ces changements à la direction, comment ça va régler le problème s'il n'y a pas encore assez de personnel? Andrew, ce qui est facile à dire, c'est qu'on ne peut pas tout régler car on n'a pas assez de travailleurs. Et alors qu'on va continuer à essayer d'embaucher plus de gens, et ce, dans tous les aspects de la profession des soins de santé, toutes les provinces disent la même chose. Alors, toutes les provinces sont en train de chercher plus de gens. Alors, si on examine nos exigences par habitant et nos capacités par habitant, et aussi à la façon dont on peut utiliser notre équipement, par exemple, les chirurgie essentielle contre les chirurgies de jour. Et il y a aussi des hôpitaux qui sont dans différentes régions qui pourraient se complémenter. Ce n'est pas suffisant de dire, ah, eh bien, je ne peux pas faire mieux car on ne peut pas embaucher plus de personnel. Andrew, toutes les provinces sont confrontées aux mêmes défis. Alors, si on veut se servir de ce prétexte, on a apporté de grands changements pour ce qui est de notre capacité de recruter plus d'immigrants et de former plus de personnel infirmier et de médecins. Il y a eu une grande augmentation au cours des dernières années. On ne peut pas seulement compter là-dessus. On ne peut pas tout simplement se croiser les bras et dire « je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait ». Non, Andrew, il ne faut pas procéder ainsi. Il faut tout simplement sortir des sentiers battus. Merci. Et maintenant, on va passer à Alexandre Boudreau, Acadie Nouvelle.
Ministre, j'essaie de comprendre. Est-ce que vous avez dit que vous avez... Vous avez dans le fond, les conseils d'administration des réseaux, vous les avez renvoyés ou vous les remplacez par les chefs de la réforme de la santé? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, vous avez bien compris. Alors, en vertu de la réglementation et la loi sur les régies régionales de la santé, il y a une catégorie qui s'intitule nomination de fiduciaire, c'est l'article 58. Et on dit cet article stipule qu'on a la capacité de le faire dans l'intérêt de la population. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va avoir un conseil d'administration de deux membres, un qui va siéger ou un qui va représenter Vitalité, l'autre va représenter Horizon. Ils vont travailler avec les PDG pour prendre des décisions rapidement et aussi pour travailler avec les professionnels et les intervenants de première ligne. Si je reviens au premier jour de la COVID-19, une grande leçon d'apprentissage pour nous, c'est que lorsqu'on demandait quel genre de vêtements de protection il fallait porter, et là, 24 signatures plus tard, on s'est rendu compte qu'il fallait faire certaines choses. Alors, si on avait vraiment une grande crise en matière de soins de santé, et si tout le personnel infirmier et tous les médecins disaient « D'accord, nous sommes en état de crise », eh bien, on va adopter une approche liée à la gestion de crise pour permettre à des décisions d'être prises plus rapidement et on pourra consulter les gens plus rapidement. Alors, nous sommes en train d'éliminer les obstacles. Cette situation de bureaucratie doit être éliminée. Et ce n'est pas une solution permanente, mais on vise à obtenir des résultats. Et en ce moment, je dois obtenir des résultats et je veux éliminer les obstacles pour nos professionnels de soins de santé. Harry Forrestal, CBC. Merci, Bruce. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Oui, merci. Très bien. Alors, oui, ce sont de grands changements et John Dornan occupe seulement ce poste depuis 4 mois. Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire selon vous? Et pourquoi doit-il être remercié en tant que PDG d'Horizon? Harry, je ne veux pas discuter de détails particuliers en ce moment, mais dans le cas de Margaret Menançon et son rôle au niveau des services cliniques, elle intervient auprès des intervenants de première ligne. Et je pense que dans tous les hôpitaux, il faut y avoir un gestionnaire de services cliniques qui est vraiment ce chien de garde. Alors, quels sont les délais d'attente? Est-ce qu'on gère la situation rapidement? Et il faut passer à l'action. Cela reflète la capacité d'agir sur le terrain assez rapidement. On m'a demandé, il y a un certain temps, qui gère les services cliniques pour la province. Et je ne peux pas vraiment y apposer de nom particulièrement, mais tous les hôpitaux ont besoin de ce gestionnaire ou de cette responsabilité. Ça ne peut pas être une série de personnes, mais tous les hôpitaux doivent gérer les services cliniques. Et ensuite, quelqu'un doit en être responsable partout dans la province. Alors, il faut se servir de nos hôpitaux partout dans la province, que ce soit à Horizon et Vitalité. On permet aux gens d'avoir l'occasion de recevoir les meilleurs soins de santé qui soient partout dans la province. Et vous vivez peut-être à Saint-Jean et l'occasion se trouve à Bathurst ou vice-versa. Mais l'idée, c'est que si c'est disponible au Nouveau-Brunswick, on veut que nos résidents y aient accès. On va maintenant passer à Nick Moore avec CTV. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous avez demandé à Horizon de mener une enquête sur ce qui s'est passé et selon les résultats, vous allez peut-être mener un examen externe. Mais quelles questions avez-vous par rapport à cette enquête et pourquoi vous ne voulez pas mener un examen externe tout de suite? Eh bien, comment fait-on pour demander aux gens de rendre des comptes? Si on a certaines normes dans les salles d'attente et s'il faut prendre des signes vitaux sur des patients toutes les 30 minutes ou toutes les heures, peu importe, je pense que c'est toutes les 30 minutes. D'accord, alors si cette procédure n'a pas été respectée, quels ont été les facteurs atténuants? Est-ce qu'il y avait trop de patients dans la salle d'attente ce soir-là qui attendaient d'être admis, il n'y avait pas assez de lits?
pour permettre de l'admission? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient dû obtenir leur congé, qui n'ont pas obtenu leur congé? Voilà le type de réponse que je recherche. Je ne pense pas que cela a un lien, et voilà mon avis, mais je ne pense pas que cela a un lien avec le personnel qui travaillait ce soir-là. Je pense que c'est une question de direction et de gestion. Il n'y a pas assez de bonne coordination d'activité. Et voilà ce que j'essaye de dire. Si on n'obtient pas de meilleurs résultats en matière de gestion dans nos hôpitaux, on n'obtiendra pas assez de bons soins de santé. Et on va continuer à investir davantage, mais il faut une reddition de comptes et une obtention de résultats, et les normes doivent être uniformes partout dans les provinces. Et il y a d'autres régions et d'autres hôpitaux qui ont des pratiques exemplaires et qui ont constaté ces résultats. Il faut partager ces leçons d'apprentissage, que ce soit Horizon et Vitalité. Il faut vraiment s'assurer d'assurer les meilleurs systèmes de soins de santé partout. Natalie Sturgeon, Global TV. Votre gouvernement a été averti par les deux organisations qui représentent les secteurs par le biais de médias sociaux et ainsi de suite. Ils ont rédigé des lettres. Alors, comment allez-vous prévenir cette situation au lieu de tout simplement éliminer la bureaucratie en haut? Eh bien, le fait d'avoir des normes afin de constater l'amélioration. Ce que j'ai toujours dit, c'est notre liste d'attente des patients pour consulter un médecin, est-ce qu'il y a une diminution? Si nos délais d'attente sont 2 heures ou 10 heures, alors qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital s'il y avait 2 heures? Alors, je veux une norme qui est acceptée, qui est présentée à la population, et j'aimerais savoir comment on se tire d'affaire. Parce que si on accepte une norme, ça veut dire que cette norme doit s'appliquer partout dans la province, pas seulement dans une région. Je sais qu'il y a des spécialités, il faut tenir tout ça en compte. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a toujours une raison de ne pas changer. Mais ici, on démontre que nous avons 4 personnes. Évidemment, il y a aussi les sous-ministres de la santé, mais il y a 4 ministres qui sont responsables des activités opérationnelles au sein du réseau, les 2 PDG et les 2 fiduciaires. Et ils vont travailler avec les gens sur le terrain et dans les hôpitaux, mais je m'attends à un bilan et un rapport. Est-ce qu'on est en train de s'améliorer? Quels sont les problèmes et comment allons-nous faire pour les traiter? Mais si, comment va-t-on éviter une genre de situation comme celle-ci? Vous savez, c'est une bonne question. Et ma seule réponse, c'est qu'on prend toutes les mesures possibles pour s'assurer qu'il y aura de bonnes activités de gestion pour qu'on puisse traiter des préoccupations relatives à la sécurité. Il y a de nombreuses préoccupations qui ont été exprimées aux gestionnaires, mais on ne les a pas écoutées. C'est inacceptable. Alors, voilà notre objectif. Mais y aura-t-il des problèmes ou d'autres cas? Je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il n'y en aura pas. Mais si on n'agit pas pour dire que c'est inacceptable, vous savez, c'est une crise. Vicky Horkart, CHCO TV. Alors, pour devenir ministre de la Santé au milieu d'une pandémie mondiale, ce n'est pas facile. Pourquoi avez-vous décidé de nommer Bruce Fitch à ce poste? Vous savez, ce n'est pas facile d'apporter des changements comme ceux-ci. Et j'aimerais féliciter Dorothy Shepherd du travail acharné qu'elle a effectué jusqu'ici et tout au long de la pandémie. Et on a quand même travaillé sur certains changements ensemble. Dans le cas de Bruce Fitch, parfois, un changement, c'est bien. Il y a divers points de vue et Bruce Fitch est un politicien chevronné. Il a beaucoup d'expérience au sein du gouvernement. Il a la capacité de travailler avec n'importe qui. C'était aussi le cas pour Dorothy Shepherd, mais il pourrait avoir de nouvelles perspectives. Comment allons-nous faire pour obtenir de meilleurs résultats? Comment allons-nous faire pour évaluer les rendements? Et pourquoi nous n'avons pas respecté toutes nos promesses? Alors, on compte sur les fonctionnaires pour apporter des changements. Alors, je ne veux pas dire toutes sortes de déclarations ici. J'ai besoin d'assurer la bonne équipe qui va dire « oui, c'est possible » et ensuite on va s'assurer qu'on obtient des résultats partout dans la province.
Alors, on va donner l'occasion à un autre ministre de passer à l'action. Vous savez, la COVID-19, ce n'était pas facile pour personne. Les travailleurs de soins de santé sont épuisés et c'est le cas avec des professionnels dans bien des secteurs. Ce n'est pas différent pour les ministres et dans le secteur politique. Alors, nous avons une occasion de renouvellement ici et on pourra comprendre ce que Dorothy Shepherd a éprouvé, et c'est aussi une occasion pour un autre collègue de porter le flambeau et de progresser au niveau de ce dossier très important. CHME Sackville. Oui, j'espère que vous pouvez bien m'entendre, Monsieur le Premier ministre. Oui. Alors ici, je suis à Sackville. Notre groupe local a travaillé au cours des deux dernières années pour établir la dotation dans les hôpitaux de Sackville. Et ils ont annoncé une certaine réussite dans le département du personnel infirmier. Il y avait aussi la possibilité de rétablir un contrôle centralisé, une certaine stabilisation. Et j'ai discuté avec des médecins qui disent qu'un contrôle centralisé et qu'une prise de décision au sommet il y a 2 ans, et c'est ce qui nous a amené dans ce gâchis aujourd'hui. Ce que vous proposez, ce n'est pas une prise du gouvernement direct de la gestion des soins de santé, le fait d'éliminer un conseil d'administration élu qui a un rôle à jouer au niveau de la gestion des soins de santé. Il semble que vous voulez avoir une centralisation plus contrôlée. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer avec les efforts déployés à Sackville afin d'avoir un plus grand contrôle local. Vous avez peut-être repris à votre question comment ça s'est... Comment la structure antérieure a bien fonctionné pour nous? Si la structure antérieure fonctionnait tellement bien, est-ce qu'on serait dans ce gâchis aujourd'hui? Et je pense que ça n'a pas bien fonctionné par le passé. Alors, on se trouve en cette situation de crise de soins de santé. Ce n'est pas unique au Nouveau-Brunswick, mais c'est... Il faut déterminer qui en est responsable. Je ne veux pas une approche centralisée nécessairement. Et ce que vous avez mentionné plus tôt, en fait, si les équipes trouvent des stratégies pour dire voilà comment on devrait gérer les hôpitaux locaux, je suis entièrement en faveur d'un programme de gestion d'un hôpital local où il assume les responsabilités liées aux activités dans les hôpitaux, pas seulement au niveau du système de chauffage et d'éclairage, mais de demander aux gens de l'hôpital de rendre des comptes. Et ce n'est pas le cas dans notre province ou dans n'importe quel hôpital, mais ça commence au niveau des PDG. Je vois dans certaines régions, et voilà notre objectif. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on établit une structure et on se dit on va régler la situation. Et ensuite, on va déterminer à quoi cela pourrait ressembler à l'avenir pour s'assurer que ça reste réglé. Et dans différentes régions, il pourrait y avoir différents modèles. Mais si on n'a pas de reddition de compte au niveau des résultats, c'est vraiment inacceptable. Si vous travaillez dans le secteur du système de soins de santé, vous devez contribuer à la solution. Et merci, Mme Butler. On va maintenant parler à Brittany avec allnewbrunswick.com. On va maintenant passer à Pascal Reichnog, Radio-Canada, Acadie. Monsieur Higgs, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'est la suite des choses pour les conseils d'administration de Vitalité et Horizon. Vous dites que c'est une mesure qui n'est pas permanente. Est-ce que vous avez un calendrier pour le retour des conseils d'administration? Comment va se passer la suite des choses? Oui, alors j'ai dit que ce n'était pas une solution permanente, mais je n'ai pas d'échéancier, car ça va être fondé sur la capacité de constater les résultats souhaités, mais je veux être capable de démontrer ce que cela signifie. Pour tous ceux qui sont embauchés dans notre système, notre capacité de gérer le personnel et d'effectuer des chirurgies de soins de santé primaires, on va donc établir des cibles qu'on souhaite réaliser en premier. Alors, je ne veux pas imposer de calendrier, mais je veux être clair au niveau des résultats escomptés. New Brunswick News. Sarah Seeley.
Alors, j'aimerais poser des questions sur les statistiques. Et je cherchais une statistique sur le nombre de patients qui quittent les salles d'urgence sans être consultés et ces statistiques n'étaient pas disponibles à la population. Alors, je me demande, est-ce que vous voudriez voir des statistiques comme ça présentées à la population? Et aussi, qu'est-ce que ça signifie pour améliorer les délais d'attente pour que les patients n'attendent pas aussi longtemps? Oui, j'aimerais bien voir des statistiques comme ceci. Si les gens quittent, eh bien, vous m'avez mentionné souvent que je me concentre sur le service à la clientèle et je pense que tous les contribuables doivent être servis par des fonctionnaires. Alors, j'aimerais bien voir ces statistiques, mais je ne sais pas quel est le bon délai? Et je sais qu'on discute des mécanismes de triage et aussi comment fait-on pour faire appel aux ambulanciers de soins avancés même avant d'arriver à l'hôpital? Est-ce que des patients peuvent être traités à la maison? Et ça fait partie de la mise en œuvre de notre plan sur les soins de santé. Mais on peut le comparer à d'autres modèles de prestations de services aussi. Lorsqu'on voit l'horloge avancer, je ne veux pas exercer plus de pression sur notre personnel de soins de santé, mais je veux être en mesure de fournir ce qui est nécessaire pour qu'on puisse offrir le service escompté. Alors, on ne leur demande pas de faire quelque chose qui est impossible, mais il faut améliorer le système. Madame Duncan, CBC. Alors, j'aimerais effectuer un suivi sur la question qui a été posée sur l'examen interne d'Horizon sur cet examen. Alors, cet examen sera interne, il ne sera peut-être pas rendu public. Vous avez discuté de la reddition de comptes à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors, je suis curieuse. Qu'est-ce que vous allez demander à Horizon de faire pour s'assurer que la population puisse bien comprendre? Alors, quelle sera la capacité de la population à savoir ce qui a mal tourné pour ce qui est de cette situation? Je pense que la population doit savoir exactement comment on a traité de cette situation en particulier. Quelles demandes ont été exercées sur ces patients et ce personnel qui n'étaient pas réalistes et comment on va changer les pratiques à l'avenir. Je m'attends à recevoir ce genre de clarté et je veux être en mesure de communiquer, ou ce sera le ministre Fitch, au sujet de ce qu'on va faire différemment à l'avenir. Je pense que trop souvent, on rédige un examen, il y a toute une série de recommandations et ensuite, on se pose la question, est-ce qu'on a donné suite à ces recommandations? Moi, j'aimerais mieux de voir, voilà ce qui s'est produit, voilà ce qui a été changé et là, on va mettre en œuvre nos recommandations tout de suite. Je ne suis pas intéressée à recevoir 30 recommandations. Je veux tout simplement voir un nouveau programme qui va s'assurer qu'on va s'occuper des patients dans la salle d'urgence et qu'on ne sera pas pris dans un problème de dotation qui ne va pas nous permettre de le faire. Et j'aimerais répéter qu'il s'agit d'un problème au niveau du processus et de la direction et il faut rehausser nos normes. Il ne faut pas tout simplement dire « Ah, on n'avait pas assez de personnel ou on avait trop de patients dans la salle d'urgence », mais il faut être très clair. Comment allons-nous traiter de cette situation à l'avenir de façon sécuritaire? Alison Sampson, CTV. Oui, bon après-midi, Monsieur le Premier ministre. Alors, ma question est semblable aux questions les plus récentes. Il y a des gens qui ont attendu d'attendre leur vaccin, qui ont attendu de vacciner leurs enfants qui ont moins de 12 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les enfants de moins de 5 ans? Alors, je n'ai pas bien compris ou bien entendu la question, mais je pense que les vaccins seront disponibles aux enfants de moins de 5 ans. Je pense qu'on vient tout juste de les accepter, d'après ma compréhension. Est-ce que c'était votre question? Oui, mais comment allez-vous faire pour encourager les parents? Car c'était déjà difficile d'encourager les parents à vacciner leurs enfants qui étaient âgés de 5 à 12 ans. Alors, comment allez-vous amener des parents à vacciner leurs enfants de moins de 5 ans? Oui, il s'agit d'une préoccupation, mais on va lancer une campagne afin de traiter de la sécurité des vaccins et l'importance de le faire. La santé publique va s'en occuper. Et vous savez,
C'est un enjeu relié à la vaccination générale. On a aussi réduit l'âge limite pour les doses de rappel et on constate une augmentation des cas, même s'ils ne sont pas très graves. Mais on nous a toujours dit, et je le crois encore, les vaccins sont notre passeport le plus sécuritaire par rapport à la COVID-19 et on encourage les gens à le faire. Alors, la santé publique va lancer une campagne par rapport aux plus jeunes. Merci. On va maintenant passer à Catherine Morrison avec Brunswick News. Oui, merci. Alors, je me demande quelle sera l'incidence de ces changements sur les calendriers ou les échéanciers de la réforme sur les soins de santé. Catherine, pouvez-vous répéter votre question et parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, absolument. Alors, quelle sera l'incidence de ces changements liés au leadership sur les échéanciers de la réforme sur les soins de santé? Je m'attends à des résultats très clairs associés à ces changements. Alors, on a discuté des changements qui devaient être apportés et je veux le voir dans un format qui peut être rendu compte régulièrement et les gens devraient le ressentir dans des salles d'attente partout dans la province. Alors, nos mesures vont montrer des signes d'amélioration et si ce n'est pas le cas, on pourra apporter les changements nécessaires, mais la plus grande mesure, c'est lorsque les gens à un Tim Hortons auront une discussion et ils vont se dire « Ah, j'ai obtenu mon service en moins de 2 heures. Ah, j'ai vu mon médecin à la clinique et j'ai pu le consulter dans un délai de 2 jours. » Alors, voilà les résultats mesurables, mais je veux voir un bilan d'amélioration toutes les semaines dans cette promesse. Merci, Erin Cox, CBC. Bon après-midi. Je pense que vous avez déjà répondu, mais les gens semblent être très frustrés par les délais d'attente dans la salle d'urgence et l'état du système des soins de santé. Et avec ce remaniement ministériel et de personnel, vous devez avoir une idée de l'échéancier au niveau des changements. Quand serez-vous satisfait par rapport aux résultats obtenus? Eh bien, tout d'abord, il nous faut comprendre exactement quelles sont nos attentes réalistes. Je ne veux pas vous donner de fausses attentes. Je veux être très clair par rapport à ce qui est réaliste. Et ensuite, je veux que les gestionnaires et la haute direction me disent clairement comment on va atteindre ces cibles. Pour ce qui est des échéanciers, ça va dépendre beaucoup de notre capacité. Et je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, s'il y avait une chirurgie exigée et il fallait attendre 2 mois à Fredericton, mais on pouvait le faire ailleurs dans la province, et on pourrait dire à la personne, « Ah, vous pouvez le faire ailleurs la semaine prochaine. » Au lieu de dire, « Ah, vous devez attendre 2 mois. » Donnez plus d'options aux gens. Et aussi la liste d'attente de patients qui attendent d'avoir un médecin de famille. S'il y a un grand arriéré de longues listes d'attente, il faut se pencher sur le problème. Alors, il ne s'agit pas d'un système individuel, mais c'est un système holistique. Alors, si on se penche sur cette situation partout dans la province, comment peut-on gérer la situation? Car nous n'avons pas cette visibilité générale. Et c'est ce qui va changer le système des soins de santé. Nous avons de très grands atouts à l'échelle provinciale, nos réseaux de soins de santé, les hôpitaux et notre personnel, mais il faut gérer le tout efficacement pour obtenir les meilleurs résultats. Voilà notre objectif. Mais je ne peux pas choisir d'échéancier en ce moment. Je veux que les autorités de la santé m'indiquent, voilà, on peut améliorer cette cible d'ici ce moment-là. Et là, est-ce que ça rencontre les normes nationales et est-ce que ça respecte des pratiques exemplaires et ainsi de suite? Brittany, avec allnewbrunswick.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne fin de semaine.